Exactement, c'est Shaq. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, c'est. Lui, au moins, il est fumé. On l'a fumé un petit peu. Donc, peut-être que les autres animaux vont sortir. J'en sais rien. Ce que je voulais tester aussi, c'était. Voilà, pendant qu'il est mort, mettre un appât dans l'eau. Parce qu'en fait, on peut rien mettre d'autre que des appâts dans l'eau. Et je viens de récolter un petit. Aussi, un petit cadeau. Donc, attendez. On va mettre ça dans l'eau, là. On va traîner un petit peu dans le. On va traîner un petit peu dans le coin là, voir un petit peu s'il n'y aurait pas déjà s'il n'y aurait pas quelques petits trucs à récolter. Et puis surtout essayer de voir si on trouverait pas la tortue, la raie ou je sais pas moi. Une petite bestiole qui traînerait quoi, ce serait plutôt sympathique je pense. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que les bestioles ils veulent venir. J'ai pas trop l'impression. Non, ou alors je sais pas du tout où elles sont. Ou alors je sais pas du tout comment faut faire. Ou est-ce qu'elles vont arriver plus tard dans le prochain chapitre. Peut-être aussi. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou alors faut naviguer. Et puis arrive un moment, on tombe dessus, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc là, je venais d'accoster aussi sur cette petite île là. Avant de me faire le requin, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas des petites bestioles. Ce que je voulais faire aussi, c'est. Moi, ouais, c'est détecter. Écoutez, plutôt pas mal ça. La hache. Non, la. Mince, la pelle. Ah, des détritus. Bon. On va prendre quand même, hein. C'est pas trop grave. On va prendre quand même. Oui, j'ai bon, ça, c'est le paquet que j'ai eu tout à l'heure, hein. Vous excitez pas. Y'a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Non, c'est fini. Bon. On va récolter quelques petits trucs, les gars. Non, est-ce qu'on peut monter au moins? Ouais, on peut monter. Quand même, je voulais quand même aller voir. Ah, j'ai bien fait de monter. Ah oui, c'est l'espèce d'îlot fleur, là. Ouais. On récupère un maximum de fleurs et de graines. Oui, d'accord. Je me rappelle. Oh, merde. Ah, celle-là, je me rappelais pas, par contre. Celle-là, je me rappelais pas. Donc ouais, j'aimerais bien trouver quelques petites bestioles, mais bon, comme je vous dis, ça fait pas mal de temps que je navigue là, enfin que je me laisse dériver surtout. Alors j'ai essayé les îles, d'aller sur différentes îles, rien du tout. J'ai essayé pas mal de trucs quoi, différents points. J'ai fait les points bleus, j'ai fait les points verts que vous avez sur le scanner. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Du coup, je me suis arrêté là. Parce que bon, voilà, j'ai trouvé le coin sympa déjà. Et puis là, je commence à avoir un petit stock de cadeaux, les gars, qui commence à être assez conséquent. Assez balèze. Et le truc aussi, c'est que comme on a eu le nouvel engin pour diriger le bateau, pour diriger le moteur, que ce soit pour allumer le moteur ou pour la marche avant et la marche arrière, du coup, il a fallu que je refasse tout. Donc, regarde, déjà le bas. Vous voyez, j'ai éliminé une rangée de. Ouais, ah bah ça, il est déjà de retour celui-là. Ah bah dis donc, j'ai éliminé une rangée de. Comment? De coffres là. Voilà. Donc là, c'est toutes les ressources de base et tout ce qui va. Tout ce qui va bien. Là, vous voyez, j'ai fait la nouvelle catégorie. Parce que, alors voilà, la dernière fois, dans la dernière vidéo, je m'étais pas trop attardé à ça. Et en fait, un petit clin d'œil à Gorskull, parce que j'ai regardé son live la dernière fois sur Raft. Et en fait, voilà. Avec ces petits trucs-là que moi, je fais jamais généralement. Ah non, j'ai cru qu'il tapait mon bateau, mais non, c'est il tape son truc. Par contre, j'ai pas de protection moi sur les côtés là. Non? Ah d'accord. Oui, en regardant le live de Gorskull, voilà, il m'a fait découvrir, parce que j'avais pas du tout capté, que voilà, on pouvait changer les éléments maintenant juste avec ça. Si on a le matos sur nous, on peut faire en solide, on peut le faire en feuille ou en bois normal. Et sur tous les trucs, ça peut préparer. Vous voyez, vous pouvez faire les poteaux, les poteaux stylés, nan. Donc je me suis amusé aussi, vous voyez, à refaire la déco du bas. Donc là, vous avez les derniers poteaux solides, enfin renforcés, nanana. Donc voilà, il m'en manque 4, 3 en bas à faire. Mais bon, c'est la ferraille qui nous manque, vous voyez, pour faire des clous. C'est la ferraille qui nous manque. Donc les gars, là, j'ai ressorti tout l'attirail. Par contre, voilà, j'ai ma tête d'ours, ma grosse tête d'ours, la maman ours que j'avais tué la dernière fois, qui a disparu. Donc je sais pas, elle est plus là. Elle a disparu de mon truc, voilà, j'en ai plus. Donc les gars, regardez, j'ai tout aménagé. Attention, là ça me fait plutôt un truc assez balèze.
Là, je suis plutôt content que j'ai réussi à me faire trois grosses armoires. Donc là, le petit coin bouffe. Oui, avec la cuisinière, on va appeler ça la cuisinière, là, le barbecue. Là, j'ai fait le. Bah, pour faire le biocarburant. Là, grosse armoire, où là, bah voilà. On a toutes les ressources qu'il faut bien. Ah, bah, déjà. D'ailleurs, si on se faisait pas quelques petits steaks de requin, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, on se garde les têtes. Parce que c'est pareil, dans le live de Gorskull, il y a un poteau qui nous a dit que bah, on pouvait mettre les têtes dans le. Justement, je vais vous montrer. Dans le biocarburant, pour faire du biocarburant. Vous voyez, avec deux têtes, il est rempli direct. Hein. Donc, franchement, plutôt sympa ça aussi. Et ça, je savais pas, j'étais pas du tout au courant. Donc, ça, bonne nouvelle aussi. Donc, comme je vous ai dit, petit coin cuisine avec toutes les recettes que j'ai là. Donc, j'en ai 3, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 recettes. Ouais, ça va. Je crois que je dois toutes les avoir. Je suis pas sûr, mais je crois que je dois toutes les avoir. Après, il nous avait parlé d'une machine à smoothie. Donc, est-ce que c'était du vrai ou du faux? Je sais pas. Donc, ça, pareil, hâte de voir ça parce que vous voyez, des fruits et des trucs, j'en ai pas mal. Et encore, j'ai pas fait les plantations de fraises et tout ce qui s'ensuit, parce que sinon, je serais gavé. Les gars, je serais gavé. Donc là, bah, si vous vous rappelez bien, c'était un petit peu le bordel avec la cuisine et tout le bordel. Donc là, on s'est fait le petit poste de pilotage avec bah, la machine, comme je vous ai dit, avant-arrière. Là, sur le côté, on s'est mis le gouvernail. Là, la destination. Ah, il y a une antenne qui est quoi? Trop proche du récepteur. Ah, ça doit être celle-là qui doit être trop proche. Donc, faudra que je la change. Oui, j'avais pas fait gaffe. Celle-là, faudra que je la décale. Ouais, bon, à la limite, ouais, je fasse ça plus tard. Ça, c'est pas trop grave. Donc, ce petit coin-là, là, je me suis fait le petit coin établi. Avec le petit radio. Là, avec tous les effets, tous les trucs que j'avais trouvé. Vous voyez. Hop, donc ça, c'est du stuff. Là, comme je vous disais. Ah, du coup, ça me fait 6 paquets. Donc là, ça commence à être intéressant. Mais si je fais les jumelles, parce que voilà, on sait jamais maintenant si on peut voir quelque chose. Donc ça, non, ça, je m'en fous un peu. Vu la quantité que j'ai, on s'en fout un peu, les gars. Par contre, ouais, il va falloir qu'on se prépare quelques petits steaks. Ah, qui sont cuits déjà? Parfait. Là, on va remettre du bois. On va manger ça tranquille, les gars. On va boire un coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit déballage de cadeaux. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Donc là, ouais, comme je disais, on va finir la présentation, après on sera à l'ouverture. Donc là, petit coin bouffe, là, petit coin où on peut, bah voilà, hein, naviguer tranquillement, petit poste de pilotage. Donc là, je me suis fait une échelle pour monter en haut. Vous voyez, tout ça avec le nouveau matos. Hein. Donc j'ai fait tout en, voilà, en bois renforcé, en bois solide renforcé. Donc comme ça, je trouve, bah déjà, ouais, comme disait Gorskull, c'est déjà beaucoup plus casse. Merci à toi, mon pote, hein, pour les lives, c'était nickel. Hein. Donc tu m'as appris pas mal de choses aussi, je pense. C'était vraiment pas mal. Donc là, la petite horloge qui va bien. Là, jour de survie, 333 jours. Donc on approche du 350, je crois, du défi Steam, je crois que c'est 350. Donc il me reste les escaliers encore à finir. Ça, c'était quoi? Ah, ça, c'est tous les plans que j'avais. Ok. Et donc à partir d'ici, pareil, j'ai tout rechangé, les gars. Vous voyez, il a fallu que je refasse tout parce que moi, bon, c'est vrai que ça dépassait un peu des côtés. C'était pas très très joli. Là, vous voyez, hop, on peut ouvrir. Hop, petit truc qui ferme au calme, les gars. Donc là, il y a les bestioles hein, qui sont là. Voilà, mes poulettes. Normalement, j'ai deux poulettes, elles sont. Voilà, une, deux poulettes. Ouais, tu vois, Gorskull, les œufs, je récupère moi, mais j'en ai une cargaison, mais c'est un truc de ouf. Hein. Donc, faut que tu t'attrapes une poulette ou deux, là. C'est vrai que deux, c'est le top. Hein. Deux, c'est le top. Là, ce qui me manque, moi, c'est un lama. Ouais, un lama, il m'en faudrait un deuxième. Les chèvres, deux, juste une, ça me suffirait. Il me faudrait un deuxième lama, moi, je pense, et là, on sera tranquille. Donc là, je me suis fait, bah, voilà, mon petit élire, mon petit enclos avec l'eau qui arrive en bas ici, qui est redirigée vers les pompes là. Il m'en faudrait une quatrième, et là, ce serait pas mal. Et puis, bah là, bah, j'aimerais bien me faire une tour de guet. Donc, un truc qui monte assez haut. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Ah, bah, celle-là, je peux en refaire. Mais sinon, c'est des clous. Et les clous, généralement, c'est pas évident. Hein. C'est très rare en ce moment, les clous. Donc, ce qu'on va aller se faire, c'est qu'on va se faire les ouvertures. 6 ouvertures. Donc on va apprendre quelques trucs là je pense. On a appris une table. Ça c'est ce qu'il avait appris Gorskull. Vous avez appris Brazzer. Ok. Vous avez appris peinture.
Ok, d'accord. J'avais aussi appris le drapeau, un drapeau aussi. Le premier truc que j'avais trouvé dans la première vidéo, c'était ça. Vous avez appris les chaises, ok. Ça, vous avez appris rose. Ouais, je m'en fous, j'aimerais bien le canapé, moi, ou le lit. Et vous avez appris bougeoir. D'accord, ok, les gars. Ouais. C'est pas les trucs de fou non plus, quoi. Bah, écoute, on va s'arrêter là, mon petit pote. C'est pas mal ici. C'est pas mal ici. Ouais, c'est pas mal ici. On va s'arrêter là. Bougez pas. Hop, tac, tac. Petit plongeon. Et le Robert. Et là-bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs? Bon, déjà, il y a de la ferraille. On ira récupérer après. Bien sûr. Petit trésor ou pas? Alors, les gars. Petit trésor. Petit trésor, les gars. Alors, ça dit quoi? Valise. Une petite valise. Alors, attention. Ah, c'est quoi ça? The pot? The pot? C'est quoi ça? Ouais, je vais pas pouvoir le poser, mais c'est quoi ça? On va aller voir ça. Est-ce que c'est une peinture encore? Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est encore une peinture. Oh. Eh, les gars, des peintures, j'en ai, mais alors. C'est même plus un stock, hein, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez quoi. Hein? Ouais, des peintures, j'en ai un stock. Ça c'est quoi? Octogène. Là j'ai The Pro. Enfin j'en ai vraiment tout un stock. Hein. Donc bon, c'est gentil les peintures, mais bon. Moi je voudrais du nouveau mobilier là. Donc, on s'est découvert encore. Enfin on a découvert encore, non. On a du titane, donc vous voyez, bon, j'en ai un, moi, j'en ai un petit stock en titane. Je suis pas en galère titane, justement, moi, ça va. Ça va, moi, c'est plutôt la ferraille que je suis en galère. Et bon, là, c'est bon, j'en ai retrouvé quelques-uns. Ça, c'est bon, j'en veux pas. Ça, à la limite, je vais garder. Les jumelles, ok, ça. On va le manger. Voilà, au calme. On va se boire un petit coup de flotte. Est-ce que j'avais pas un petit truc? Alors bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que je suis là, depuis tout à l'heure, là... En fait, il m'a pas attaqué une seule fois. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est un bug du jeu ou est-ce que c'est parce que depuis que j'ai mis de la ferraille tout autour du bateau, il m'attaque plus? Vous voyez, j'ai mis du renforcé tout autour. À part ces trucs-là qu'on peut pas renforcer, sinon j'ai mis du renforcé tout autour. Bon, là, il m'en manque encore quelques-uns, mais vous voyez, la plupart des trucs, ils sont faits. La plupart des trucs sont faits. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai mis ça qui m'attaque plus? J'en sais rien, les gars. Franchement, je sais pas. Aucune idée. Hein. Franchement, sur ça, j'en ai aucune idée. Donc, ouais, c'est ça qui me manque. C'est un petit tour de guet. Voilà. Ça ferait plaisir, un petit tour de guet. Faites voir un petit peu les jumelles, là. On voit rien. Plus on peut zoomer, hein, et tout. Il y a le zoom, il y a tout, mais on voit pas grand-chose, quoi. Donc, je sais pas, j'espère tomber sur une bestiole, un de ces quatre, les gars. J'espère en tout cas. Parce que voilà, c'est le seul truc qui manque que j'ai pas trouvé, c'est les bestioles. Bon, il manque encore quelques petits trucs à trouver au niveau des décors. Des cadeaux, je pense qu'il m'en manque encore quelques-uns. Donc, il va falloir fouiller, les gars. Donc, bah écoutez, laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc, bah, portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.